Salut tout le monde, c'est Kirbendo et on se retrouve à nouveau sur Yoshi's Woolly World. Donc cette fois j'ai pris le costume de... comment il s'appelle déjà? Hot Dog le Brûlant. Et donc on est parti pour récupérer cette étoile, enfin cette fleur, parce que c'est la dernière qui me manque sur ce monde. Donc j'avais eu toutes les autres en fait. Là, il manque pas mal de choses, pas mal d'objectifs à faire, mais ça... mais les fleurs c'était bon. Donc, comme ça on va en avoir déjà fini avec le deuxième monde. Mon chien et moi on nage dans la lave. Pucci. Et Hot Dog le Brûlant. Enfin, on aurait dû faire venir Pucci contre Hot Dog le Brûlant, ça aurait pu être marrant. Je sais pas si ça aurait fait un truc spécial ou quoi, mais... Ok, un truc spécial. De toute façon, c'est la deuxième qui nous manque, non? Je crois. Ouais. Donc tant qu'on n'a pas eu la première, on n'a pas besoin de s'inquiéter d'avoir loupé quoi que ce soit. Alors il me semble que ce niveau à 2, il était vraiment pas simple. Parce que bah avec les fermetures éclairs qu'il y avait partout et tout, c'était vraiment pas... Enfin c'était la galère en fait, on se marchait dessus et c'était le bordel. Il me semble. Et je crois que je me trompe pas en fait. Quand je vois le niveau, ça me rappelle bien des trucs. Et là donc les petits hot dogs, qu'on ne peut pas avoir c'est vrai avec... avec notre langue, on est obligé de les, enfin, de les évanouir d'abord avec un œuf et ensuite on peut les, enfin on peut leur sauter dessus. Si on leur saute dessus tout de suite, ça marche pas parce que bah ils brûlent au-dessus. J'imagine que je vais avoir la première fleur ou deuxième pelote, l'un ou l'autre. Première, je sais pas si j'ai eu la première. Donc ça, voilà, c'est la c'est la première fleur. Hein. Ok, première fleur. Donc maintenant les choses sérieuses commencent, il va falloir... Oh, c'était au bon moment. Il va falloir commencer à fouiller. Et après, ce serait bien aussi de réussir l'objectif des cœurs. Donc là, où est-ce que ça peut... Ok, merci. Donc où est-ce qu'il pourrait avoir planqué? Pas ici, là, il n'y a rien, il n'y a pas de truc caché. Là non plus. Peut-être ici. Attendons, ou en bas, là. Ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait un truc caché ici. Voilà. Là, il n'y a rien. Ok. Là-bas. Ok, là, il y a un truc caché. Et ben voilà. Ok, c'est bon. Bon, maintenant, rushons le niveau. Pas trop vite quand même, parce qu'il faut récupérer, il faut garder nos cœurs. Mais on peut avancer. Et plus s'inquiéter des trucs planqués. Bon, ça, on peut quand même s'en occuper un peu parce que il me faut des cœurs. Ouais, bon, ça, on s'en fout, non. Il me faut plus de cœurs. Ok. Ça, par contre, on s'en fout. On les a déjà. Bien. C'était exactement ce qu'il me fallait. Est-ce que j'ai eu toutes les... Je sais pas si j'ai eu tous les tampons, ça. Ça, j'en souviens plus du tout. Ok, c'est vraiment vraiment beaucoup plus facile quand on joue tout seul, parce que là, il n'y a pas de comparaison. C'est bon, j'ai même plus besoin de cœur en plus, parce que je crois que je les ai tous, j'ai le max. Ouais, enfin j'avais peut-être pas le max, il manquait peut-être qu'un seul, je sais pas. De toute façon, on nous en redonne 5 juste avant le boss, et puis il y aura un checkpoint. Donc ouais. Ok. Les pauvres chiens. En plus, ils sont mignons, eux. Ce serait bien qu'on les revoie dans un nouveau Yoshi. S'il y a un nouveau Yoshi un jour, c'est obligé. Ok. Ça, j'aime pas. Justement, c'est la difficulté. Or, ça, oui. J'avais pas fait gaffe. C'est ma faute. Je suis trop pressé, là, pour le coup. Allez. C'est ici la suite. Et voilà, déjà le boss. Avec tous nos cœurs. Est-ce qu'on va réussir à les conserver? Parce que je ne sais plus du tout comment on fait pour le battre, ce boss. Faut l'éviter, et après faut genre lui balancer une muselière avec un œuf. Et puis après lui faire une attaque rodéo, je crois, je sais plus. Allez. Par contre, je sais plus du tout quelles sont ses attaques, hein, je sais plus ce qu'il fait. Ah bah c'est là qu'il faut le... Voilà. Ah oui, maintenant il va se faire mal. Et voilà. Ok. Maintenant faut l'éviter et je sais plus ce qu'il fait.
Il va cracher du feu. Ouais, il va dans l'arrière-plan et il crache du feu. Un truc très original. Hein. Ok. Donc là, je suis hot dog contre hot dog. Hot dog le Yoshi contre hot dog le brûlant. Ouais, vas-y. Ok, un peu galérien. Oh! Quoi? Oh là là là! Eh ben mince, j'avais oublié qu'il faisait ça. Bon, si je l'avais su, j'aurais pu l'éviter, mais malheureusement, j'avais oublié. Bon, on n'aura pas l'objectif en question. Parce que c'est pas dur à éviter, mais c'est juste que quand tu le sais pas, bah, effectivement, comme il va à 2 à l'heure, tu te dis, bah non, il va tomber avant, puis il va refaire un saut. Et en fait, non, il refait pas. Ok. Allez, hot dog le brûlant. Donc là voilà, il fait ses petits sauts. Vas-y. Et il a quand même la classe, hein. Avec sa crinière là, elle est vraiment. Enfin, elle a vraiment la classe sa crinière. Oh! Et voilà! Bye bye, hot dog. Ah bah non, il est pas encore mort. C'est bon. Bon, c'est vraiment dommage de m'être fait toucher, hein. Là, je regrette, mais bon, après. C'est comme ça! Il a classe le petit hot dog le Yoshi là. Bon, alors on est parti pour le monde prochain. On a déjà débloqué 2 des 6 niveaux spéciaux. Il paraît que les niveaux spéciaux sont vraiment vraiment durs, donc on verra ça quand j'y serai. D'un côté je me dis, bon, autant y arriver le plus vite possible, mais d'un autre côté je me dis, ce serait bien de prendre notre temps, parce que ça a vraiment pas l'air simple. Voilà, donc on ouvre un nouveau niveau. Une pyramide. Ça s'appelle Énigmatique Pyramide. Ok. Ça va être un niveau casse-tête. Ça va être un niveau casse-tête. Ça, vous allez voir. Bon, ok. Oh, on va prendre le violet. J'aime bien le violet. Le violet, c'est ma couleur préférée. En plus, c'est vrai. Mais ça dépend comment, hein, parce qu'il y a des accords de violet qui sont pas très beaux, quand même. Alors là... Il nous en manque pas. Un cookie, Yoshi. Je me souviens bien de ça. Allez, il manque la première. C'est dommage qu'on puisse pas récupérer la première et après se barrer. C'est le niveau avec les fusées et les... Oh, les petits... Je sais plus comment ils s'appellent. Nipper, les machins blancs, là. Ah, il y a un Yoshi... Il y a une transformation dans ce niveau. Ok. Alors. Ça se trouve, j'en ai mis plein dès le début. Ok. Bon, bah venez ici. Oh! C'est obligé qu'il y en ait un dès le début. Allez, viens ici toi. Hé! Allez, venez. C'est obligé qu'il y en ait par là. Ah bah non! Y'a rien? Ok, y'a rien. J'étais persuadé qu'il y en aurait un planqué par là. Et là, il n'y a rien. Ok, bon, c'est pas grave, ça arrive, hein. Des fois, il n'y a rien. Et là-bas... C'est bizarre, hein. Dans les Yoshi, les Mario, les endroits où il n'y a rien, c'est suspect. Hein. Mais bon, il faut... il y en a bien, des endroits où il n'y a rien, il en faut bien. Où il n'y a rien, et genre vraiment rien. Et là... Ok, c'est là. Ok. Bon, ben voilà. C'est bon, on l'a. Ok. Bon, attends, on peut... Qu'est-ce qu'il nous manquait d'autre dans le niveau? Il nous manquait 3 tampons. Il nous manquait aussi pas mal de pelotes, mais bon, les pelotes, c'est optionnel pour le moment. Puis les pelotes, je préférerais les ramasser après de mon côté. Parce que c'est vraiment plus galère. Mais bon, par curiosité, donc il manquait 3, 4, 5. Ok. Je sais très bien ce qu'il faut, allez. Il a la classe, Yoshi Violet, il est trop beau. Je dis absolument pas ça parce que c'est mon joueur préféré. Hein. Bien. Comment on fait? Ah, ok. Ah. Et ça fait rien apparaître? Finalement, genre le truc, ça fait apparaître des trucs à la fin. Ok, je sais pas trop comment ça... J'ai fait un saut bizarre, là. Ok. Il est trop classe ce niveau. Puis la musique, elle est vraiment géniale. Est-ce que j'avais réussi à tous les cœurs? Non, je crois pas. L'objectif était pas marqué. Donc c'est dire que non.
Allez. Repart. Oh. C'est pas maintenant que je vais y arriver avec tous les cœurs. Hein. Parce que comment je suis débrouillard là. Ok. En plus j'ai plus qu'un cœur. J'ai tout eu et ça me fait rien gagner. Ok. Par contre il me refaut carrément des cœurs là parce que ça ne peut plus le faire. Oh, bien. Au moment où je dis ça, bah il y en a. Et là il y a rien, non? Ok. Bon. Rien non plus. Ah mais par contre dans ce niveau là ils se sont lâchés avec les trucs comme ça là en temps limité. Donc là c'est le deuxième. Donc c'est à partir de là que je les ai loupés en fait. Je sais pas trop. Oh okay. Ah bah voilà, fallait utiliser ça. Ok bien. Bon ah, ah bah ça c'est la suite. C'est marrant, Yoshi, à quel point on peut être persuadé d'avoir trouvé des trucs secrets alors qu'en fait c'est la suite. Bah, c'est marrant, justement, je m'en plains pas du tout. Ça fait partie de ce plaisir de découvrir tout le temps. Enfin, dans Yoshi, c'est vraiment cool. Et l'ambiance aussi, la musique de ce niveau, c'est vraiment trop bien. Ce niveau, ça fait plaisir de revenir sur ce jeu. Et je me rends compte que je l'avais pas vraiment. Enfin, je l'avais pas autant apprécié que je le pensais en faisant de let's play avec Akuliki parce que. Bon, je l'avais apprécié aussi, mais différemment parce que là, c'est pépère. Alors que dans le let's play, bah, c'était pas pépère, c'était un peu on se tape dessus tout le temps. Ok, on va essayer d'aller en bas et voir des trucs, non? Non, je crois que j'avais fait la même truc. Dans le let's play, je m'étais dit il allait y avoir des trucs en bas, en fait, il y avait rien. Je crois, hein. Oh! Comment on a pu louper ça? On avait dû monter trop vite. Ok, vu qu'il en manque deux. Comment louper un truc pareil? On se demande. Faut que je re-regarde l'épisode parce que c'est chaud. Ok. Bien. Assez perturbant, la physique. Oh. Ok. Des cœurs, bien. Ah, il y a un truc. Si y a... Bah non. Chaud. Là, c'est chaud parce qu'il peut y avoir des trucs n'importe où. Vraiment n'importe où. Il faut faire bien gaffe. Là, il y a forcément un truc. Il y a forcément un truc. Mais alors, comment... Bah, pas de cette manière. Comment pourrait-on y aller? De manière... Ok, c'est chaud. C'est trop chaud. Bah, peut-être grâce à lui, en fait. Oh, oula. Ok. Voilà. Est-ce qu'il y a forcément des trucs? C'est pas possible. Il peut pas y avoir un truc comme ça dans le niveau sans qu'il y ait rien d'autre. Et bah voilà. Ok. Et en plus, il y a des masques qui tombent. Qui ne servent à rien. Ou servent-ils à rien? Servent-ils à quelque chose? Ok, bon. En tout cas, on va peut-être avoir toutes les pelotes, en fait, en ne les cherchant pas. Enfin, je dis que je les cherche pas, mais au final, je les cherche pas mal. Ok. Bien, allons-y. Une pelote? Eh oui, ok, bah, c'est bon. Toutes les pelotes, elles n'étaient pas si compliquées à avoir, en fait. Maintenant, il s'agit de monter... Oh, des... Oh, ça, ok. Oh, oui, je vais pas mourir, par contre. J'ai pas envie de mourir alors que j'ai tout récupéré. J'ai même récupéré, donc, tous les tampons. Donc, vaut mieux pas crever maintenant. Ok. Oh, j'ai cru que c'était une plateforme. Alors que c'était l'arrière-plan. La perspective, hein. C'est la fin? Ah, par contre, c'est chaud de finir ce niveau avec les cœurs. Enfin, j'ai pas l'impression de m'être fait toucher tant de fois que ça, mais en fait, j'ai l'impression qu'il y avait très peu de checkpoints, et donc très peu d'occasions bah, de regagner comme ça des cœurs. C'est pas grave. On va passer au jeu bonus, en plus, on débloque un nouveau Yoshi. On va pouvoir jouer avec un nouveau Yoshi, c'est cool, ça. De toutes les couleurs. Je sais pas ce que ça va être, mais... Enfin, toutes les couleurs. Vert, jaune, rouge... Puis une couleur qu'on sait pas au début. Oh non, alors ça, c'est une blague... Est-ce qu'on fait demi-tour en allant là? Non, c'est pas demi-tour. Je crois que je m'étais aussi perdu la première fois. Mais là, c'est impossible de tout avoir. Hein.
Attends, on a 20 secondes à avoir tout, l'intégralité de ces trucs-là. Oh non, c'est impossible. Impossible. À deux peut-être, mais là, en 3 secondes, je peux pas faire demi-tour. Hein. Non, je suis dubitatif. Je pense pas que ce soit possible de faire ça en étant en solo. Hein. Mais bon, après, je suis pas un expert. Hein. Bon, bah, on peut faire un autre niveau, je pense. Ah oui, c'est vrai, c'est le monde avec les petits Huffin-Puffins. Qui ont un niveau en plus, enfin qui ont un nom français maintenant en plus, je crois, je me souviens plus. Ah bah j'ai pas vu son nom. Qu'est-ce que c'est? C'est un Yoshi quoi? On peut pas savoir. Ah c'est chaud, pourquoi j'ai passé le truc? On sait pas quel est son nom, mais bon, bah c'est un nouveau Yoshi. Et là, oh! Là il en manque pas mal, le premier et le troisième. Bon, et en plus de ça, il manque des pelotes. Ah, voilà, voilà. Il en manque plein. Ok, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est bizarre. Ok. J'avais oublié. Donc ça, le premier, ça, c'est bien. Oh. J'aime pas, hein. C'est quoi cette musique? Oh, trop bien. Ok. J'avais déjà eu ou pas, enfin il y avait rien de spécial donc. Salut le Lakitu, sert à rien. Là il y a rien au-dessus, il y a rien là. Ok. Oh bien. Ah, de toute façon c'était obligé pour aller à la suite. Et là il y a rien. Ok, il y a rien. Est-ce que j'ai le max, je crois. Mais qu'est-ce qu'il fait le Lakitu? Je l'ai tué. Ah, il est là. Bon, il n'y a rien de spécial. Qu'est-ce que... Oui, donc premier quand même. Le premier, c'est galère. Oh, bah il va être en bas. Vous allez voir. C'est en bas. Ah, j'ai loupé un cœur. Voilà, il est là. Ok. Donc j'ai le deuxième par contre. Il manque le troisième et le deuxième aussi. Enfin, le deuxième pelote. C'est bon, rassuré. Comment j'ai pas eu l'idée la première fois de descendre? Hé hey. Ok, bon bah une autre vie perdue. Ah bah, juste après le checkpoint. Ils ont mis les checkpoints exprès en se disant bon, un Kirbendo il va mourir ici, c'est obligé. J'ai oublié en fait comment se comportaient ces trucs là. Bon là, c'est obligé qu'il y ait un truc en haut. Hein, que j'ai certainement déjà récupéré, mais on va y aller pour en avoir le cœur net. Ok, bah oui. Le deuxième. Donc, la deuxième fleur. Ok. Il n'y a jamais rien quand on les tue, ces trucs-là. Ah si. Ah non. Ah, non ça n'a rien à voir. Bah, c'est bon, je les ai tous. Ah bah oui. Ok. Comment on a pu le louper aussi, lui? Il y en a... Oh, le pauvre. Celui qui a mal mis son hélice. Enfin, c'est Bowser qui a dû mal mettre son hélice. L'incompétent. Il veut avoir une armée et pourtant, il n'est pas capable de la gérer. En même temps, c'est encore un bébé. À son âge, moi, j'aurais pas pu avoir une armée non plus. Allez. Ah, il y a un truc, non? Ouais, c'était évident. Pas une fleur. Et des trucs qu'on avait déjà eu, en plus. Ok. Hé hey. Non. Ah oui, on peut pas... Ok. Donc ça, on avait déjà eu, par contre. Je pense qu'il n'y a rien d'autre, hein. Sur le champ, généralement, c'est rare. Et là, ok. Oh! Et ben c'est bon, on a tout. Et maintenant, il s'agit de ne plus mourir. Et oui, sans y avoir un checkpoint juste au truc d'après, là. Ben voilà, c'était obligé. Maintenant qu'on a tout, tout ce qui nous intéresse, c'est de finir ce niveau. Mais il nous retire trop de vie, en fait. Mais j'ai l'impression d'un truc dans le jeu, j'ai l'impression que les ennemis, quel que soit le nombre de dégâts qu'ils nous font, ils nous ramènent toujours à un cœur. C'est-à-dire que si jamais ils nous faisaient par exemple 5 cœurs de dégâts, mais qu'on n'avait plus que 2, et bien ils nous tuent pas, ils nous ramènent à 1. Bon, le coup suivant nous tue, mais ça n'empêche que là, bah, ça nous tue pas, parce que ça nous ramène
à ce nombre de cœurs. Alors je sais pas si c'est une impression ou quoi, enfin ce dernier cœur. Je crois que c'est pas une impression, c'est justement fait pour simplifier un peu quoi. Pour faire un petit coup de pression. Ok. Hein? J'étais persuadé que j'allais trouver des cœurs là-dedans. Bon bah en fait non. Allons-y. Parce que j'aimerais bien quand même retrouver quelques cœurs. Ah! Ah oui. Donc un endroit où faut tuer les... la qui tue. Bon, je m'en fous. Parce que ça débloque pas de cœur. Enfin, je pense pas. Ok, je fais mon Mario. J'ai plus qu'un cœur. Ah non, j'ai pas plus qu'un cœur. Ok. Ouais. Bon, bah, on arrive bientôt à la fin de ce niveau, hein. Là-bas. Ah, un truc que j'ai déjà eu. Oh, vite, vite. Oh, les pauvres! Les mascas, c'est quand même des gros souffre-douleurs dans ce jeu. Mais entre les Goombas et les mascas, on peut dire que c'est un peu la même chose. Mais je trouve que les mascas sont quand même beaucoup plus charismatiques. Parce que les Goombas, bon, ils font toujours la gueule. Et ils marchent. Et puis ils tombent dans le vide. Bon, c'est débile, hein, ils tombent dans le vide. Donc c'est un peu. Enfin, c'est le gag, quoi. Mais les mascas, ils ont un visage, tu sais pas ce qu'ils pensent. Donc ça peut être autant. Ah, je suis content d'être là, je fais mon truc, j'espère qu'il va pas me déranger. Comme ça peut être. Oh, je vais t'attaquer, je vais te tuer. Mais par contre, il leur arrive que des bêtises. Hein. Ils se font exploser, ils se font. Jetés dans le vide, ils se font écraser, enfin, ils sont trop drôles, les mascas. Bon, eh bien, je pense qu'on va en rester là pour cet épisode. Parce que là, je crois qu'on a le temps d'en faire un autre. Attendez, on va voir ce qu'on débloque. Ah bah, pourquoi j'ai encore passé? Et là, qu'est-ce que c'est, Yoshi? Oh bah, c'est ça! C'est le motif qu'il y a là. C'est un Yoshi écharpe ou j'en sais rien. Donc là... Il nous manque 2 fleurs, donc on va les récupérer, on a le temps quand même. Mais on n'a pas de trucs gratuits, bon c'est pas grave. Allez, c'est parti pour ce niveau. Play more, mais qu'est-ce que ça veut dire play more? Jouer plus? Ouais, bah littéralement, mais je sais pas si c'est une expression ou quoi, parce que c'est pas la première fois que je le vois écrit, mais... Enfin, j'aurais pas l'idée d'écrire ça en français en tout cas. Oh, ok, je me souviens. Je me souviens très bien. Oui, les petites topi-topes en plus. Donc il manque la première. Je suis quasiment certain. Ouais, il manque la première. Ici. Tout simplement. Ah non. Bon. Et les pelotes. Non, les pelotes, on les a toutes, ouais. Ok, bon bah non, ça sert à rien. Y'a rien. Ah, il allait éclater la bulle. Peut-être qu'en éclatant la bulle, il allait avoir une fleur. On va voir quand on aura la deuxième fleur si on a loupé un truc. Okay. Ah bah voilà, okay, la première fleur est là. Ok, c'est bon. Ça c'est cool. C'est vraiment sympa de pas l'avoir fait dès le premier parce que ça m'aurait un peu galéré. Et donc il manque bah, la deuxième. Donc, tant qu'on n'a pas eu la... Enfin, il manque... La troisième plutôt. À chaque fois, je les regarde et je me galère. Donc, tant qu'on n'a pas eu la troisième, en fait, on n'a pas trop à s'inquiéter. Y'a pas de truc en haut? Ah, là, y'a un truc. Ok. Gaffe. Ok, y'a rien de spécial. Enfin, peut-être tampon. Ah, mais là, y'a encore des trucs. Les tampons qu'on a déjà. Les petites topi-topes en pixels. Ah oui, on peut pas les bouffer ces ennemis. Ah. Enfin, je m'étais fait avoir, enfin pas que la première sûrement. Allez. Oh. Vous amusez bien en bas les mascas? Lui, je sais pas s'il fout à se retourner dans tous les sens. Ah, ok, j'aurais cru que qu'il allait avoir une fleur maintenant. Donc là, ça doit être la deuxième. Allez, on peut monter? Ok, c'est la deuxième, ça va. Donc là, j'imagine que j'en manque pas... Oh! Non, j'en manque pas ici. C'est pas possible. Ça m'étonnerait que sur le même écran, il y ait quand même 2 fleurs cachées. Ça, ça serait un peu chaud. Non, rien de caché.
Ok. Ok. Oh, là. Trop simple, non? Ok, bon, juste un tampon. Et là, il n'y a rien de spécial? Non. Donc, faire attention de ne pas monter trop vite. Hein. Rien non plus ici. Ok, peut-être ici par contre. Parce que là. Non, il n'y a rien. Ok. Ici non plus. Là par contre, on arrive. Ah, ici? Non. Ça c'est bien aussi, mais. Là, il y a du vide en bas, ça c'est obligé. Là, il y a une fleur de cachet quelque part. Oh bah! Ok. J'avais vu le truc en haut avant de, avant d'avoir eu le truc. Hein. Voilà, bon, je pense qu'il y en aura une. Quoi que. Quoi? Il n'y en a pas? C'est juste un passage pour avoir des. Non, ça c'est pas possible. Et en plus, il n'y a aucun tampon? Non, c'est pas possible, là, il y a un truc caché. Et voilà, ok. Ok. Bon, eh bien, c'est bon, on a toutes les fleurs de ce niveau. J'ai fini en plus me jeter dans le vide là en allant sur le côté. Ok. Oh! Mais je vais faire sauter dessus. Un peu galère là par contre. Et comment on fait pour monter? Ok, le temps qu'elle a mis à venir là, la bulle. Par contre, elle est géante. Hein. J'aimerais bien voir ce qu'il y a dans le reflet de la bulle. Je suis sûr qu'il y a des trucs cool. Généralement, dans les Mario, dans les trucs comme ça, ils cachent des trucs sympas, mais j'ai pas le temps de voir en fait. Mais c'est toujours le même motif, donc à mon avis, c'est un vrai décor ou c'est. À mon avis, il y a vraiment un truc dedans. Hein. Ce serait pas. Attendez, sur la grosse, ce serait pas. Genre un niveau de Super Mario Bros. Ça ressemble à des briques de Super Mario Bros ou un truc comme ça. Je sais pas. Ça se trouve, c'est rien du tout, c'est moi qui m'invente des trucs, hein. Ce serait pas la première fois non plus. C'est un peu plus galère à passer. Hein. Mais ça, c'était marrant à plusieurs. Enfin, en multi. Ok. Bon, c'est bon. Toujours pas la fin en plus. C'est toujours pas la porte rouge. Allez. On va plus en être très loin avec le checkpoint ici. Bien. Ça m'aide. Oh, il y a l'ombre de Yoshi derrière, j'avais pas remarqué. C'est trop beau. Waouh. J'avais pas remarqué la première fois. C'est magnifique. Ouais, vas-y. Comment il s'est fait une petite bulle, lui? J'aimerais bien aussi avoir une petite bulle perso. Enfin, j'ai toutes les bulles pour moi, cela dit. Donc, j'ai combien de... Ok, donc j'ai les 20. Bon, eh bien allons-y. Essayons de battre ce boss sans se faire toucher. Encore une fois. Donc là, c'est la taupe. Topulante. L'opulante. Topulante. Voilà, topulante. Ok, par contre, je me souviens plus comment on fait. Et bah voilà. Comme ça. Ok. Il y a absolument aucune difficulté, à nouveau. Et par contre, là, il va peut-être faire des trucs. Une attaque rodéo. Oh, ok. J'ai bien réagi. Ok. Bon, il y a moyen que je me fasse pas toucher hein, si je me fais pas avoir par l'onde de choc, parce que l'onde de choc, c'est généralement les trucs qui montent dans les Yoshi, les Mario, c'est toujours le truc qui me surprend. Oh. Ok. S'il me donne de quoi le tuer. Voilà, t'as même pas eu le temps de les balancer tes trois boules. Parce que là, par contre, je devrais peut-être pas éviter aussi facilement ces trois boules. Bon. Et bien voilà. On a réussi à battre le boss sans se faire toucher. Et avec et bah, toutes les fleurs. On est bientôt donc à la moitié du truc à récupérer. Même si en fait, c'est pas parce qu'on arrive à la moitié du jeu qu'on arrivera à la moitié du truc à récupérer. Parce que je pense que dans le monde 6, 5 et 4, il y a peut-être beaucoup plus de trucs qui manquent que dans le monde 1, 2 et 3. Hein. Enfin, beaucoup plus de fleurs. Ça, on verra. Donc, et bien voilà. On va en rester là pour cet épisode. Merci à tous de l'avoir suivi. Salut toi. Très beau dessin. Donc merci à tous de l'avoir suivi. On se retrouve normalement très bientôt pour la suite. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de laisser vos impressions en commentaire. Salut !